comme s'il voulait réveiller ses vieux démons. Yaya n'arrêtait pas de lui faire respirer l'odeur de l'argent. Sinon, pourquoi lui avoir présenté Guy, le garagiste, trafiquant de berlines? Ou bien même François Tombalbaye, dit le Gabonais, son ancien co-détenu à Fresnes, fiché au grand banditisme. Que tout le monde appelait Koug, était un fils de diplomate qui aimait tremper dans les histoires sombres et traîner dans les coins malfamés. Tiens, il y a le compte. Bon, on va vérifier. Parce que la dernière fois, il manquait 450 euros dans une liasse. Et j'ai payé de ma poche. 450 euros, sérieux? Ouais, mais c'est de ma faute. J'aurais dû vérifier. Vas-y, je vais vérifier. De toute façon, c'est quoi, moi, il va me falloir 5 plots, là. Parce que je vais pas tarder à tomber en rade, là. Ok, c'est bon. Tu vois ça pour moi? On passera ça la prochaine fois. Ok, mec. Vas-y, hein, plus tard. Vas-y, plus tard. Vas-y, hein. Vas-y. Vas-y. Se reprocha lui-même de n'avoir rien fait pour empêcher ça ce jour-là. Mais franchement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ?